Salut à toutes et à tous, c'est Kexy. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de The Dishwasher. Je retiens Vampire Smile, et donc c'est parti, c'est pas dur, pas de temps. Alors eh oui, c'est comme ça que j'ai des cadeaux. Allez, c'est parti. Alors, 673. Quoi que je vais améliorer. Plus de santé, plus de magie. Ça, je m'en fous pour le moment. Je vais améliorer le l'épée de nuage. Oula. Ah ouais, ça a l'air puissant. Enfin bref, c'était parti. Cette porte, j'ai jamais réussi à l'ouvrir. Je sais pas où est-ce que ça mène, ou s'il y a un passage derrière, ou je sais pas quoi. Enfin, bref, on verra plus tard. Je chercherai un moyen de l'ouvrir. Ah, ça m'aurait donné. D'accord. Oui, bien sûr. C'était pas trop dur. Je dois avouer que j'ai peiné. Oh, j'adore, c'est pas serein, on va dire. Ah oui, il fallait que je montre aussi les perles. Là, je me fais poursuivre par la femme de mon cauchemar. Ou l'homme, je sais plus. C'est quelque chose du genre. Je vois qu'on s'y habitue, ce jeu est vraiment très très simple. Enfin, très très simple. Et voilà, c'est donc là qu'on gagne le pistolet. J'ai pas le support en pistolet. Il est plus machin. Hein. Ah, ils ont pété la gueule. J'ai vraiment horreur de ces trucs. J'ai tellement mal avec son couteau. Ah mais fuck, voilà.
Ah oui, c'est donc là qu'on va apprendre la première sorte de magie ou je sais plus trop quoi. L'électromagie, voilà. Là, il va expliquer comment est-ce qu'on utilise l'électromagie. Non, même pas. Bon, bah, c'est pas grave. En fait, ça s'utilise comme ça et... Ah non, là, c'était plutôt une sorte de... En fait, c'est un... Là, le truc que j'ai utilisé, c'était un sort pour récupérer sa vie. Par exemple, voilà, là, c'est l'électromagie. Par exemple, le sort que j'avais utilisé le tout premier, c'est un sort qui permet de prendre l'énergie vitale de ses ennemis et de se donner de la vie. Ça, je sais plus ce que c'est. Ah oui, c'est moins violent, quoi. Fuck, bon, ça me casse le cou, quoi. D'accord, même pas le temps de... Le finir, il est déjà mort. Oh, le massacre. Voilà, meurt. Non, les bombes c'est trop violent ce truc. Ça me fait chier. Voilà, couché. Comment c'est super crédible. Pardon, allez hop, c'est parti. Alors, la porte. Elle est là. Y'a pas une sorte de passage secret, je sais plus. Non, bon, de toute façon j'avais déjà récupéré les perles, voilà, je vais vous expliquer ce que c'était. Voilà, donc le poisson lune qui génère totalement la vie. Le pain qui restaure une partie des points de vie, donc je crois que c'est la moitié. Donc là on voit les armes, hein, donc la conviction qui est le katana de départ, l'épée de nuage, l'épée qui est tout à droite, le kamakazi qui est la sorte de faux, et le médicament qui est la seringue. Donc voilà les perles. En fait c'est des perles qu'on trouve dans les cadeaux, et donc qui permettent de modifier plutôt d'ajouter des sortes de compétences. Par exemple, j'ai mis la perle de fleur, donc la perle de fleur te permet de récupérer lentement ta santé pendant un combat. La perle de chat permet d'accélérer le changement d'arme pour que ce soit plus rapide. J'ai la perle de vin, augmente la puissance d'attaque à mesure que ta santé diminue. Et j'ai la perle des maths, voilà, la perle des maths ajoute des multiplicateurs de combo à la puissance d'attaque. En fait, plus tu touches des personnes, normalement on voit on voit 4 coups, par exemple, sur le côté, là juste en dessous de la vie. Et plus ce multiplicateur augmente, plus la puissance de mes coups va augmenter. Et j'ai encore, voilà, putain, fuck, j'ai perdu le cadeau. C'est pas grave, c'est un cadeau. On en aura plein. C'était une salle à cadeau, mais vu que j'ai déjà récupéré la perle qui était là, c'est complètement inutile. Je rentre là.
Comme si c'était compliqué de les battre, ce machin. Ah fuck. Bon bah voilà. C'était très dur. Je vous l'avoue. Allez, c'est parti. Ah oui, c'est là le... Là, ça va être un boss. Et ça, ça fait mal. Ça, j'ai pris... un bon quart d'heure avant de réussir à le buter. Parce que j'avais pas compris comment est-ce que je pouvais le buter, franchement. Non, non, voilà. J'ai mis, ouais, j'ai dû mettre un bon quart d'heure, voire une demi-heure à le buter, c'est la première fois le boss. Je dois avouer que j'ai vraiment, mais vraiment galéré à le buter. Et donc c'est la fin de l'épisode 3. Je crois que c'est l'épisode 3. Je suis pas sûr. Ça doit être ça. Au pire, hein. Voilà, c'est pas grave. Allez, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 4. Allez, salut, bye.